Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous passez une excellente journée et que tout se passe bien pour vous. J'espère que je suis bien entendu et bien vu. Si c'est le cas, veuillez mettre des plus dans le chat. Et nous allons commencer progressivement avec vous. Aujourd'hui, nos diffusions se font sur trois sources. Voici Vcontact, YouTube et Rutube, les réseaux sociaux officiels des dirigeables de nouvelle génération. C'est ainsi que s'appelle notre projet d'investissement dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous demande donc de partager les liens avec vos amis et connaissances. Dites-leur que nous avons déjà commencé et qu'ils peuvent se connecter sans hésitation. De plus, grâce à ces mêmes liens, les gens pourront regarder l'enregistrement, donc vous pouvez l'envoyer. Même si les gens ne se connectent pas maintenant, ils le verront plus tard. Je vous demande également de liker cette vidéo et de la partager, s'il vous plaît, sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas que notre projet est populaire, il est financé par des investisseurs privés et c'est précisément votre activité qui détermine la rapidité avec laquelle le projet se développera. Nous avons une retransmission sur Solar Group où il est possible de regarder, mais nous ne les avons pas inclus dans l'annonce. Regarde ceux qui sont directement abonnés aux réseaux sociaux de l'entreprise. N'oubliez pas qu'il existe d'autres réseaux sociaux, Telegram, VContact, en gros YouTube. Tout ce que c'est là que sortent les nouvelles officielles, montrant comment le projet se développe. Alors ne manquez pas à cette information. Les réseaux sociaux connaissent une forte croissance, ce qui signifie que les gens s'y intéressent et cela vous intéressera aussi. Je m'appelle Pavel Filipov, chef du publicité et relations publiques de la société Solar Group. Solar Group est une entreprise financière qui développe divers projets innovants par le biais d'investissements collectifs. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre projet Dirigeable de nouvelle génération. Bien sûr, nous travaillons sur le marché des investissements participatifs depuis déjà 7,5 ans. Au cours de cette période, nous avons obtenu assez de succès dont nous pouvons être fiers. Particulièrement, nous avons plus de 500 000 personnes inscrites sur notre plateforme d'investissement. Nous avons plus de 70 000 investisseurs et plus de 20 000 partenaires qui promeuvent notre projet à travers le monde. Dans des pays très variés, des gens participent, pas seulement de Russie. Aujourd'hui, nous sommes au webinaire russe. L'Afrique, l'Inde, l'Asie et de nombreuses autres régions et pays participent également activement. Notre premier projet Sauvelmash est actuellement en cours de réalisation à la phase finale. Il était prévu pour nous de passer par 20 étapes ou comme on dit maintenant, des rondes de financement. Actuellement, nous avons 19 sur 20 possibles. Très bientôt, nous passerons à la 20e étape finale de financement. Et en ce moment même, l'entreprise que nous avons construite avec l'argent des investisseurs privés est pratiquement lancée. Et très bientôt, elle commencera ses activités commerciales. En ce moment, une commission travaille là-bas, qui doit autoriser cette entreprise à fonctionner ou bien envoyer des modifications, ce qui est également possible. Quoi qu'il en soit, ce sera bientôt. Nous, en tant que plateforme, avons toujours dit que nous continuerions à chercher divers projets intéressants afin que les gens puissent y participer et que nous puissions développer différentes technologies intéressantes en Russie. D'autant plus que nous avons vu que ce modèle a fonctionné lors du premier projet. Plus de 90 millions de dollars ont été collectés pour le premier projet grâce à des méthodes telles que les webinaires, la gestion des réseaux sociaux et YouTube. Les gens y répondent, cela les intéresse. Nous avons cherché divers autres projets qui pourraient d'une part offrir le même rendement financier et d'autre part être tout aussi globaux et intéressants. Car dans le cadre des investissements participatifs, c'est également très important, les gens doivent ressentir une certaine émotion, ils doivent vouloir que cela se réalise. Comme je l'ai déjà dit à propos du retour, oui, bien sûr, ce doit être viable. Beaucoup de choses ont été vérifiées, filtrées, étudiées. Il y avait de nombreux bons inventeurs, de nombreux projets étranges, où il n'y avait qu'une idée de création de toutes sortes d'inventions incroyables. Beaucoup de choses sont passées par nous, mais à un certain moment donné, nous avons abordé le très absolument fascinant sujet des grands dirigeables, et plus nous nous y plongeons, plus nous comprenons ses perspectives et ses implications profondes. Nous avons constaté que l'industrie elle-même commence à émerger et à se rendre pertinente dans le monde entier. Cela se produit pour de nombreuses raisons, notamment grâce au fait que les technologies ne restent pas immobiles et le fait que, par exemple, il y a 100 ans, l'enveloppe de cette dirigeable était fabriquée, excusez-moi, à partir des entrailles de vaches. Oui, cela ne se produit bien sûr plus aujourd'hui et la technologie moderne permet à ce type de transport qui avait auparavant certains défauts, tout en étant très efficace et capable, il y a 100 ans, de faire le tour de la Terre et de transporter des passagers d'Europe en Amérique, de passer à un autre niveau, nous ne sommes pas les seuls à le comprendre. Actuellement, un travail actif est mené dans ce domaine dans de nombreux pays. Il y a aussi de nombreux projets en Amérique. L'un des plus populaires est celui que fait le cofondateur de Google, Sergey Brin, avec sa société de dirigeables. Les chinois développent activement ce secteur, ainsi que les européens, et tout le monde promet de faire gagner de l'argent à ses investisseurs ou prévoit de gagner des sommes incroyables sur son propre capital, comme le font déjà certaines entreprises qui sont présentes sur le marché d'une manière ou d'une autre. Par exemple, il y a la société Zeppelin qui se trouve en Allemagne et effectue des vols réguliers dans la ville de Friedrichshafen et j'y ai d'ailleurs volé en dirigeable. Ils gagnent entre 100 et 150 millions d'euros par an simplement en ayant quelques dirigeables et en offrant des services aux touristes. Le billet est cher. Le billet minimum, à mon avis, commence à 400 euros pour un vol de 45 minutes. Et bien sûr, c'est un business rentable, disons ça. Et c'est seulement en parlant de tourisme. Plus nous nous immergions dans toute cette histoire, plus nous comprenions à quel point c'était pertinent. Et bien sûr, la première chose qui a donné un coup de pouce à une réflexion sérieuse, c'est l'équipe. En Russie, heureusement, il existe une école de dirigeables suffisamment forte. Des personnes qui s'occupent des dirigeables depuis de nombreuses années, qui ont construit des dirigeables en Russie, qui les ont exploités commercialement et qui ont vendu ces dirigeables. Et ils comprennent cela tant du point de vue de la pensée ingénierie que du point de vue des affaires. C'était aussi un élément très important sans lequel nous n'aurions pas lancé ce projet d'investissement. Une telle équipe existe, vous en connaissez déjà beaucoup, et nous continuerons bien sûr à vous présenter tous les membres de l'équipe qui, d'une manière ou d'une autre, se joignent actuellement au projet, et de nouvelles personnes continuent d'arriver aujourd'hui, chaque jour. Alors, Qu'est-ce qui nous a exactement intéressé dans le thème des dirigeables Commençons par le fait qu'en premier lieu, il est important de noter que le dirigeable, en tant qu'appareil volant unique, est probablement le seul appareil volant dans le monde qui, de manière unique et fascinante, contrairement à tous les autres, ne cherche pas à enfreindre les lois de la physique, mais vole justement grâce à ces mêmes lois lorsque ce ballon est gonflé avec tel ou tel gaz, actuellement principalement de l'hélium qui ne brûle pas contrairement à l'hydrogène d'il y a un siècle, il permet au dirigeable de s'élever dans le ciel sans aucun effort, ne dépensant ainsi aucune énergie pour cela. Par conséquent, le dirigeable ne dépense absolument aucune énergie pour rester dans les airs. Et ensuite, quand nous avons un certain aéronef qui s'élève facilement et sans effort dans le ciel, ne consomme pas d'énergie, peut rester dans les airs de manière continue et sans interruption pendant des mois, Peut-être de très petites dimensions et donc de très petites utilisations, nous commençons à comprendre dans quel secteur cela peut être applicable. Eh bien, bien sûr, si nous faisons une certaine gradation, alors si nous prenons de petits aéronefs, ils peuvent mesurer quelques mètres de long, et cela inclut déjà les différents drones que tout le monde comprend. De tels appareils peuvent facilement être rendus sans pilote aujourd'hui, ils peuvent livrer divers petits produits. Ils peuvent s'occuper de la reconnaissance météorologique et photographier le terrain. En général, transporter tout équipement nécessaire dans des endroits difficiles d'accès est extrêmement pratique et, ce qui est le plus important, c'est extrêmement bon marché. Car aujourd'hui, aucun autre aéronef ne peut, par exemple, rester en suspension dans les montagnes et y rester pendant plusieurs mois sans dépenser aucune énergie. Bien sûr, je fais un peu preuve de malice, il consomme un peu d'énergie, car quand il est en l'air, les hélices fonctionnent d'une manière ou d'une autre pour le corriger légèrement, ce qui nécessite une certaine énergie. Mais c'est minimal, cela permet à l'appareil de rester dans les airs pendant des mois. Et bien sûr, c'est extrêmement bon marché. Si nous prenons des appareils plus grands, on mesure généralement la portance d'un dirigeable, par exemple, une portance de 2 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes, c'est-à-dire, c'est la quantité de charge, par exemple, disons, que cet aéronef peut soulever. Ici, les zones d'application sont déjà définies. Celles que j'ai mentionnées restent les mêmes. On peut transporter des marchandises, on peut transporter du matériel, faire de la reconnaissance. Mais ici, d'une part, il existe différentes options touristiques qui sont très rentables. Nous le savons sur la base des entreprises qui existent déjà dans le monde. Ce sont différentes options de fret qui peuvent transporter notamment des matériaux de construction ou des marchandises volumineuses et hors gabarit, et ce, sur une trajectoire directe. Ces options incluent notamment des matériaux de construction, des marchandises volumineuses, ainsi que des objets hors gabarit. Ce sont différents petits centres médicaux qui, par exemple, utilisent déjà en Afrique, et un tel appareil arrive dans des zones difficiles d'accès pour livrer divers médicaments. C'est très intéressant, important. Bien sûr, ce sont différentes technologies militaires. Il peut y avoir un large éventail d'applications, y compris le renseignement et divers autres objectifs et missions. Si nous prenons des appareils énormes, lourds et massifs, qui pèsent 40 tonnes, 50, 100, et même il y a des tâches et des objectifs de construire des appareils de 100 et 200 tonnes, il y a certaines personnes qui prévoient de construire jusqu'à 500 tonnes. C'est bien sûr une tâche qui semble sortie de la science-fiction. Mais c'est difficile. Avant de construire un tel appareil, il faudra construire des modèles plus petits. Tester les technologies, comme prévu plus tard. Oui, d'un point de vue légal et physique, c'est possible, mais il faudra vérifier beaucoup de nuances, disons, dans la pratique. Comment de si grands appareils peuvent-ils être utilisés Il est clair que cela concerne le transport de marchandises. En effet, le transport de marchandises par dirigeable, comparé à d'autres moyens comme les hélicoptères, ou les avions cargo constituent généralement une chaîne logistique, car ils commencent par un avion, puis un train, ensuite un camion, et enfin d'une autre manière. Donc, en général, le dirigeable est habituellement moins coûteux et plus économiquement avantageux en termes de coût par kilomètre ou d'une manière ou d'une autre, mesuré en kilomètres et en kilogrammes de charge, ce qui réduit le coût de production. Ces calculs existent et ils sont même disponibles auprès des membres de notre équipe qui travaillent sur ce projet, notamment sur la base des appareils qu'ils ont déjà réalisés. Bien sûr, ce sont déjà des options, je parle ici des passagers, il est donc possible d'accueillir plus de passagers, c'est soit, disons, un Boeing complet qui transporte des passagers d'un point à un autre, évidemment. Mais ici, la question est de savoir dans quelle mesure cela sera économiquement viable, car l'avion vole plus vite, les gens veulent parcourir les distances plus rapidement, le confort étant en deuxième position. Donc, cela sera probablement quelque chose comme un paquebot où le confort est essentiel, où l'on pourra installer divers restaurants, clubs de danse, salles de lecture, etc. Et ce n'est d'ailleurs pas une idée de ma part, c'était le cas par exemple sur le dirigeable Hindenburg dont vous avez peut-être entendu parler, et c'était il y a 100 ans. Tout ce que je décris était là et les gens voyageaient avec un tel confort ensuite nous pouvons placer n'importe quelle clinique mobile sur un tel dirigeable cela peut être utile pour les endroits difficiles d'accès cela peut être utile à des fins militaires et stratégiques dans divers contextes et de tels appareils sont déjà utilisés dans certains endroits et dans divers contextes j'en ai également parlé aujourd'hui de plus il est également clair concernant les charges volumineuses je l'ai déjà dit en principe tous ces appareils peuvent le faire, mais pour les grands appareils, cela peut être plus pertinent. Car lors de certains webinaires, nous avons également expliqué pourquoi Roscosmos, par exemple, s'intéresse particulièrement aux dirigeables, parce que lorsque la fusée est conçue et fabriquée, elle doit être transportée vers le site d'essai. La question est, comment faire cela La fusée est très très longue. Maintenant, par exemple, il y a des éoliennes qui sont là, qui tournent avec des pales énormes comment les amener à destination. Actuellement, ils sont transportés par parties, puis assemblés sur place. Il faut créer des itinéraires spéciaux, car on transporte une chose aussi énorme qui naturellement ne rentre dans aucun compartiment de chargement d'un véhicule. C'est long, coûteux et il faut réfléchir à la manière de le faire. Le dirigeable, en ce qui concerne ce type de cargaison hors gabarit, pourrait simplement soulever cette fusée hypothétique et la livrer à un point donné. Au minimum, c'est pratique et au maximum, c'est économiquement très avantageux et judicieux. Si l'on parle de toutes sortes d'options incroyables, eh bien incroyables, parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas cela, mais en général, si une commande correspondante est passée, cela pourra également être réalisé. Oui, nous avons beaucoup fantasmé sur ce genre de choses. Oui, il y a aussi un casino sur un dirigeable et un club sur un dirigeable. Tout ce que tu veux. C'est clair, une polyclinique, un centre de loisirs, il y avait aussi une bonne idée, un Zags sur un dirigeable pour se marier dans les cieux. De telles idées existent aussi. Tout cela est techniquement réalisable. Bien sûr, nous allons certainement d'abord nous concentrer, non pas sur des fantasmes, ni sur de beaux projets qui nous plairaient. Nous allons aller où il y a de l'argent, où il sera possible de gagner. Et maintenant, nous avons une compréhension claire de comment le faire. Maintenant, je vais y parvenir progressivement et sûrement. En d'autres termes, aujourd'hui, la direction de la construction étatique est en train de se développer de manière très active dans le monde entier. Pas seulement en Russie, d'ailleurs, en fait, si l'on parle de la Russie, aujourd'hui, actuellement, nous avons un décret du gouvernement sur le développement de l'industrie des dirigeables en ce qui concerne... Et maintenant, un grand nombre d'entreprises qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, développer des dirigeables se sont certainement également activées. Et maintenant, je pense qu'en Russie, nous verrons plus d'un projet similaire qui s'occupera des dirigeables. Eh bien, c'est une bonne chose. Le marché est assez grand, intéressant, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. En même temps, nous prévoyons de devenir des leaders dans ce domaine. Je suis sûr que nous y parviendrons grâce à l'équipe que nous avons. Et bien sûr, grâce à ce financement que, j'en suis sûr, nous réussirons à attirer avec le soutien de vous, les spectateurs et des investisseurs privés qui, j'en suis sûr, seront certainement encore très intéressés. Et en passant à ce que nous allons justement et concrètement faire, parlons-en un peu plus en détail davantage. Dans le cadre de notre projet, nous prévoyons de lever un montant de 100 millions de dollars. Cette somme est prévue pour être levée dans un délai de 3 à 5 ans et avec ces rythmes de financement, nous pensons que nous y parviendrons. Pourquoi Parce que nous nous appuyons sur notre projet précédent, sur les rythmes de financement qui ont été observés ces dernières années. En effet, à quoi ces fonds sont-ils réellement nécessaires Voyons quels actifs seront créés dans le cadre de l'entreprise. Le premier est, bien sûr, le bureau d'études. Laissez-moi maintenant, probablement, commencer à dessiner. J'espère que vous pourrez voir. Amis, en attendant, je passe au tableau interactif. Je vous rappelle que votre activité est très importante. Mettez des likes, faites des partages et invitez le plus de spectateurs possible à cette diffusion. Car plus il y a de spectateurs, plus le projet se développera rapidement. Je pense que vous comprenez tout cela. Mais pour une raison quelconque, les gens ne sont pas toujours prêts à mettre des likes du premier coup. Alors, que faisons-nous avec le budget que je viens d'annoncer Premièrement, on va créer, disons, par exemple, une entreprise, un bureau d'études, en quelque sorte. Que va-t-il représenter en soi Tout d'abord, le bureau d'études, dans ce cas, désigne les espaces où se trouve une équipe spécialisée et hautement qualifiée, où il y a de l'équipement sophistiqué et varié, tels que des ordinateurs de pointe, des logiciels de conception assistés par ordinateur, des imprimantes 3D et bien plus encore. Il existe également la documentation appropriée, comprenant des manuels techniques, des brevets détaillés, des études de faisabilité et tout le nécessaire pour que cette équipe, en tant que cerveau du projet, puisse concevoir, produire et utiliser de manière autonome les ressources de divers sous-traitants. Ces sous-traitants peuvent fournir des matériaux spécifiques des composants électroniques ou des services spécialisés. L'équipe est capable de réaliser différents types d'aéronefs tels que des avions de ligne, des jets privés, des hélicoptères et des drones en s'appuyant sur son expérience passée et sur la nouvelle expérience qui émergera dans le cadre de ce projet ambitieux et innovant. Il n'est pas prévu de construire des bâtiments, des entreprises ou autre chose. Il est prévu, du moins à ce stade, de le faire dans des espaces loués. Et, d'ailleurs, c'est précisément ici que nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes dans le bureau de la société. Eh bien, vous voyez, des webinaires seront également organisés ici. C'est la société KB. Eh bien, parlons d'abord de la terre. Nous avons un peu plus de la terre que nous devrons soit louer, soit obtenir en partenariat avec quelqu'un, ou bien l'acquérir, puis le transformer ensuite selon nos besoins. Nous allons l'utiliser comme prévu, n'est-ce pas Donc, qu'est-ce que nous aurons sur ce terrain En fait, en réalité, en effet, nous aurons deux hangars. Voici deux hangars, c'est-à-dire... À quoi servent les hangars Un hangar est un endroit où les aéronefs seront entretenus, assemblés, réparés et parfois même stockés par exemple en cas de tempête ou de vent fort, ou même d'autres conditions météorologiques extrêmes. Au premier stade de ces hangars, il est prévu de construire deux. Ensuite, nous prévoyons la production. Qu'est-ce que la production Bien sûr, c'est un projet complexe, y compris un produit complexe, un aéronef. Bien sûr, de tels produits sont généralement et certainement rarement fabriqués au sein d'une seule entreprise. De nombreux nœuds, certains éléments importants peuvent et doivent être commandés auprès d'entreprises tierces, y compris divers instituts et entreprises spécialisées qui se consacrent à un domaine spécifique. Cependant, un certain nombre d'éléments critiques importants devront être réalisés sur des capacités internes afin que des technologies essentiellement différentes ne s'échappent pas de l'entreprise, parce que d'une manière ou d'une autre, cela constitue une propriété intellectuelle et que les solutions que nous avons mises en œuvre doivent être connues uniquement de nous, afin que les autres ne puissent pas au minimum nous copier. Une question fréquente concerne l'école. Plus précisément, en fait, ce n'est pas vraiment l'école la question, mais en réalité qui va voler qui va piloter, qui va travailler comme hôtesse et steward, y compris ceux qui vont s'occuper du service et tout le reste. Bien sûr, pour s'occuper d'aéronefs comme ceux-ci, malgré le fait qu'il y ait, y compris dans notre pays, des spécialistes qui volent sur des dirigeables et qui peuvent le faire pour un véritable usage de masse, il sera nécessaire de former nos propres spécialistes. Et nous allons le faire dans le cadre d'une école qui est également prévue d'être organisée en ce qui concerne les aéronefs eux-mêmes. Il est prévu à ce stade de concevoir et de commencer la production en série de deux appareils. Un avec une capacité de charge allant jusqu'à 2 tonnes l'autre jusqu'à 10 tonnes, et c'est justement ces hangars pour ces deux aéronefs, et de maintenance, qui sont en cours de construction chez nous, et d'entretien. Aujourd'hui, nous avons déjà discuté des objectifs pour lesquels ces aéronefs peuvent être utilisés, c'est-à-dire qu'on peut dire que ce sont de petits aéronefs, bien que celui-ci soit déjà de taille moyenne, et celui-là est certainement de taille moyenne, c'est-à-dire que cela peut même être considéré comme un concurrent de l'hélicoptère Mi-8 l'hélicoptère le plus répandu au monde, dont environ 16 ou environ 18 000 unités ont été produites au total. Mais les tâches que cet hélicoptère, le Mi-8, accomplit en ce qui concerne le transport de divers types de charges, peuvent être réalisées de manière beaucoup plus efficace par un dirigeable de cette classe. En utilisant ces deux hangars, nous pourrons produire environ 20 à 30 de ces appareils par an, approximativement, chaque année. Il est prévu de produire entre 20 et 25 de ces appareils chaque année afin de répondre à la demande croissante du marché et de maintenir un niveau de production stable. En tenant compte du nombre d'appareils que nous pouvons produire qui est assez considérable et des coûts que nous prévoyons qui incluent divers facteurs tels que les matières premières, la main-d'oeuvre et les frais généraux, nous pouvons déjà avoir une idée approximative des bénéfices potentiels que nous pourrions réaliser. Avant de passer à cela, il est également important de savoir ce qu'est le SP. Qu'est-ce que le SP Les SP sont des projets externes. Que cela signifie-t-il Les... Lorsque nous aurons l'infrastructure appropriée, l'entreprise pourra non seulement gagner de l'argent sur ses propres aéronefs, mais elle pourra également exécuter divers contrats spéciaux pour différents clients en fonction de leurs besoins. Par exemple, nous avons parlé aujourd'hui de Roscosmos. Il y a des demandes de diverses entreprises, RosGeologia, je pense, et d'autres entreprises russes. Je ne me souviens pas exactement du nom, mais tout cela est disponible sur le site. Il y a des documents correspondants où ils expriment ce désir. Quels appareils leur sont exactement et précisément nécessaires nous ne pouvons pas faire quelque chose pour chacun. Pour être plus précis, nous allons créer une sorte de variante universelle, mais il y aura des entreprises qui diront, moi j'en veux un comme ça, spécifiquement là, 10 tonnes, mais j'ai besoin de 12, et en plus, il doit accomplir cette tâche. Par exemple, il doit être résistant au froid, j'ai besoin d'une telle variante en particulier. Ainsi, un contrat séparé sera exécuté pour cela ce qui en conséquence permettra également de générer des bénéfices supplémentaires pour cette entreprise. Si l'on résume cela en résumé, globalement, finalement, tout cela sera sous une seule marque, celle d'une entreprise unique appelée Nova. Aujourd'hui, elle a actuellement la forme de propriété O-Nova, mais... À l'avenir, dans un futur proche, elle sera certainement réorganisée en AO. Nous en parlerons aussi avec vous plus tard, lorsque nous aurons plus de détails à partager. Pourquoi cela sera-t-il fait et quelles en seront les conséquences En ce qui concerne les bénéfices, combien une telle structure, c'est-à-dire tout cela, nous avons d'ailleurs abordé en profondeur et de manière détaillée la question de l'utilisation prévue de cet argent. Bien sûr, ce n'est pas tout l'argent. Ici sont inclus les dépenses pour le marketing, pour le programme de parrainage, pour tout ce qui est nécessaire pour promouvoir, mais dans le cadre de ce budget, cela sera réalisé. Une structure comme celle-ci, même sans tenir compte de ses clients externes, qui peuvent être nombreux, pourrait donc générer des bénéfices beaucoup plus importants. Si nous considérons cette option, spécifiquement selon ce modèle commercial, une telle entreprise pourrait gagner environ 350 à environ 380 millions de dollars. Ainsi, lorsque nous parlons de la capitalisation d'une entreprise, nous disons que nous prévoyons d'atteindre une évaluation de capitalisation de 1 milliard de dollars lors de la mise en œuvre de tout cela. C'est le calcul commercial le plus simple, disons. Nous prenons trois bénéfices annuels et obtenons une évaluation. En réalité, cette évaluation devrait être beaucoup plus élevée. Pourquoi Parce que vous savez vous-même que en général, sur le même marché boursier, une entreprise ne vaut pas 3 bénéfices annuels. Nous connaissons un grand nombre d'options. En particulier sur l'américaine bourse, l'entreprise vaut 10, 20, 30, 40 bénéfices annuels. 20, 30, 40 bénéfices annuels. 40 bénéfices annuels. 40 bénéfices annuels. 40 bénéfices annuels. Ici, pourquoi acheter une entreprise qui met 40 ans à se rembourser, mais les gens croient en cette entreprise, pensent qu'elle va gagner de plus en plus. Actuellement, les investisseurs se voient me proposer d'obtenir une part dans cette entreprise qui en est à ses débuts en toute confiance, eh bien parlons-en. Non, faisons comme ça, avant d'en parler, je vais ajouter quelque chose. Nous parlons maintenant du modèle commercial viable minimum. Bien sûr, quand nous parlons de la création d'une telle entreprise, nous ne prévoyons pas de nous arrêter au fait que nous allons simplement produire deux aéronefs en n'importe quelle quantité et que, par conséquent, nous gagnons de l'argent ce qui signifie que tout va bien. Comme nous le voyons par l'expérience d'autres entreprises, si nous avions simplement fait deux dirigeables et commencé à transporter des gens, des touristes, je ne sais pas, quelque part en Russie, à Sochi, dans un Sirius quelconque, nous gagnerions déjà beaucoup d'argent et nous le voyons à l'exemple d'autres pays. Mais nous regardons beaucoup plus loin. Nous pouvons aussi évidemment faire sans problème ce que j'ai dit mais la zone d'application peut être beaucoup plus large. Que prévoit-on de faire ensuite En effet, lorsque nous réaliserons ce montant annoncé, une fois que ce montant annoncé sera atteint, l'entreprise commencera véritablement à gagner de l'argent et pourra enfin exister sans un influx constant de fonds des investisseurs. Elle pourra ensuite se développer de manière totalement autonome. Bien sûr, il est également possible de se développer davantage grâce aux investissements. Cette option est également envisagée car il est tout à fait normal qu'une entreprise se développe grâce à des fonds empruntés. Mais ici, nous allons regarder les faits. Il faudra voir si c'est nécessaire ou non. Quoi qu'il en soit, même si des investissements externes sont attirés pour un développement futur, cela ne diluera pas la part des investisseurs actuels ah. car cet argent sera attiré séparément et non pas tout ici. Diluant ainsi ces 100 millions de dollars, que prévoit-on de faire ensuite Actuellement, tout est déjà établi dans le cadre de l'entreprise Nova et plus ou moins calculé. Au moins, il y a une direction, la direction du mouvement est claire, et il existe des technologies pour créer six types d'appareils. Là, nous avons ensuite 40 tonnes, je crois. 20, 40, 200. J'en ai raté un et j'ai déjà oublié. Eh bien, c'est aussi très intéressant. J'ai raté quelque chose et j'ai déjà oublié. C'est stratosphérique. C'est un dirigeable stratosphérique que de nombreux pays essaient actuellement de construire. Car il a un effet économique incroyable. Le dirigeable stratosphérique peut également être utilisé pour diverses tâches, telles que le lancement par exemple de satellites en orbite, ce qui est très coûteux en soi. Avec l'aide d'un dirigeable stratosphérique, cette tâche est résolue et cela devient beaucoup beaucoup moins cher. Nous avançons également dans cette direction. C'est un domaine très rentable et très intéressant et nous avons compris comment le faire, mais comme je l'ai dit, la deuxième question est que commencer une campagne de dirigeable avec un dirigeable stratosphérique est bien sûr formidable, mais difficile à réaliser. Parce qu'il faut d'abord construire au moins cela, puis on pourra parler de la stratosphère, mais nous allons y parvenir. Quand je dis qu'il est possible que des investissements soient attirés, il est possible qu'un financement privé soit utilisé pour créer cet appareil. Cet appareil cet appareil séparément. Mais ces appareils, j'espère que cela ne vous embrouillera pas, mais je vais tout de même le dire, ils seront déjà, disons, dans le cadre d'autres entreprises, d'autres entités juridiques. Cela s'appelle une structure de holding. Toutes les entreprises sont dans le cadre d'une structure de holding. On ne peut pas tout mettre, à la fois la conception, la production, tous les appareils et l'infrastructure, dans une seule entreprise. C'est-à-dire que si vous regardez les transporteurs les passagers des compagnies aériennes, vous verrez qu'ils sont tous organisés selon la structure de holding. Et ici, par exemple, nous aurons un appareil de 20 tonnes. Et cette entreprise s'occupera de l'appareil de 20 tonnes, elle gagnera de l'argent et en donnera une partie aux investisseurs qui, disons, y auront investi, mais le bénéfice restant sera transféré en totalité et intégralement à la société mère. En d'autres termes, les investisseurs qui investissent aujourd'hui le fonds dans la société mère et tous les futurs projets qui seront créés avec le soutien ou qui seront d'une manière ou d'une autre liés à la nouvelle entité. La nouvelle sera présente partout avec le fondateur et par conséquent, l'argent sera transféré à la nouvelle. Pour résumer et simplifier ce que je viens de dire, il est évident que la société ne s'arrête pas à ces deux appareils, elle se développera ensuite avec ses propres fonds, comme toute entreprise. Elle grandira et évoluera. Son bénéfice va croître et se développer. Par conséquent, les gens, même ceux qui calculent actuellement, oh, cela signifie que j'investis maintenant 1 dollar, je gagnerai, je ne sais pas, 10, n'est-ce pas Au début, les mathématiques peuvent être vraies. Ensuite, bien sûr, cette entreprise vaudra certainement des chiffres complètement différents, car elle se développera et gagnera de plus en plus et sûrement, progressivement, Parlons maintenant de ce qui est proposé exactement et en détail directement aux investisseurs. Voici le schéma de la société Innova, un cercle pas très régulier, mais tout de même, donc 49% de la société Innova. Il est transmis aux investisseurs privés. Les investisseurs privés, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte vendu pour 100 millions de dollars. Les investisseurs apportent 100 millions à la société. 49% du projet revient aux investisseurs. Donc, nous aurons par exemple 50 000 investisseurs. Certaines personnes ont 1%, d'autres 2%, d'autres 3%. En fonction de la somme d'argent que vous avez investi. La question est de savoir précisément comment vous obtiendrez cette part de 1%. Actuellement, Nova est effectivement une SARL, mais elle deviendra ensuite une société par action. Au moment où la société Nova deviendra une société par action, les gens pourront obtenir précisément des actions de la société Nova. Comment cela se fait-il actuellement Actuellement, ces 49% appartiennent en réalité à la société Groupe Solar. C'est comme une société financière dont nous avons parlé aujourd'hui, où, disons, en fait, je travaille aussi... La société Groupe Solar détient actuellement 49%, et cette société vend des parts d'elle-même, des parts de la société Groupe Solar. C'est-à-dire qu'en en fait, vous achetez aujourd'hui des parts de la société Groupe Solar et qu'en réalité, le Groupe Solar dispose d'un actif sous la forme de 49% de la société Nova. C'est-à-dire que vous commencez déjà aujourd'hui à posséder une part de la société Nova, mais par l'intermédiaire d'un intermédiaire, intermédiaire c'est fait pour permettre d'attirer des fonds supplémentaires par le biais d'investissements collectifs. Cette structure juridique, cette enveloppe, nous permet de lever des fonds légalement dans le monde entier. C'est pourquoi ça a été fait. En d'autres termes, il n'est pas possible de vendre des actions directement. Pourquoi passer par le groupe Solar Pourquoi pas d'action immédiate La loi ne le permet pas. Voici un bref résumé. Notre méthode est légale. Mais ensuite, puisque vous avez une part du groupe Solar et que Nova deviendra une société par action, le groupe Solar détiendra déjà 49% de la société par action. Par exemple, cela représentera 500 millions d'actions. Donc le groupe Solar recevra 500 millions d'actions, mais en même temps, ce ne sont pas les actions du groupe Solar qui appartiennent aux investisseurs. Les investisseurs possèdent par exemple 50 milliards de parts. Eh bien, vous pouvez calculer vous-même le taux de conversion. Les investisseurs échangent leur part contre des actions au taux de conversion et deviennent des propriétaires directs de la société Nova avec toutes les, disons, conséquences qui en découlent. Comment gagner de l'argent avec cela En gros, il y a deux façons. La première façon est la capitalisation, bien sûr, lorsque vous acquérez une part d'une entreprise en démarrage et ensuite cette entreprise commence à gagner de l'argent. Évidemment, cette entreprise commence à avoir une valeur complètement différente et votre part ici augmente. Et bien, comme vous le comprenez, vous investissez dans une start-up, puis vous possédez déjà une entreprise réelle et rentable. La deuxième direction est l'obtention de dividendes. En effet, puisque les investisseurs possèdent la moitié de la société, ils peuvent donc certainement s'attendre à recevoir la moitié des dividendes que la société distribuera. C'est pourquoi chacun choisit ici pour lui-même. Soit vous conservez vos parts, vos actions, et vous recevez chaque année, par exemple, des dividendes sur celles-ci, soit après avoir reçu des actions et que la société a été évaluée, vous pouvez vendre vos actions après la fin du financement, et ainsi gagner de manière spéculative. C'est aussi une option qui est possible pour nous. Je vous rappelle que vous pouvez aujourd'hui acquérir ces parts sur notre plateforme IT, le groupe Solar, Là, vous pouvez lire toutes les conditions d'investissement en ligne et notez que vous pouvez, par exemple, acheter une part, deux, trois ou même plus, ou explorer quelques autres options, mais il est plus avantageux d'acquérir en gros... Par exemple, vous pouvez choisir un paquet en gros, par exemple de 500 dollars, et il contiendra, par exemple, je ne me souviens pas exactement des calculs, mais vous pouvez vérifier dans votre espace personnel. Par exemple, pour 500 dollars vous recevrez 100 000 parts. Voilà. Voici le paquet que vous pouvez acheter. Ce qui est le plus important, c'est que c'est 500 dollars. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé. Oui, notre investissement minimum est de 1000 dollars, d'ailleurs. Oui, l'investissement minimum est de 1000 dollars. Mais vous pouvez le prendre en plusieurs fois. Qu'est-ce que cela signifie Paiement échelonné. Cela signifie que vous pouvez ne pas payer 1000 dollars immédiatement. Mais simplement convenir avec l'entreprise que vous vous engagez à payer 100 dollars par mois. Et après 10 mois, donc, lorsque vous aurez versé les 1000 dollars, toutes vos parts seront à vous. Cependant, si vous cessez de payer à un moment donné, les parts resteront quand même à vous. Enfin, celles que vous avez déjà payées, mais il est tout de même plus avantageux de payer jusqu'à la fin, car la part libyenne des actions nous revient lors du dernier paiement. Mais, encore une fois, ce qui est fait, est fait. Personne ne vous prendra quoi que ce soit. Sur quoi je voudrais encore davantage attirer l'attention Nous avons nous-mêmes... Le projet de financement est divisé, comme je l'ai dit, en plusieurs étapes, sur 3 à 5 ans. environ 3 à 5 ans, et nous prévoyons environ 20. Les étapes de financement sont cruciales pour le succès d'un projet. Il y a 20 étapes de financement, chacune jouant un rôle essentiel. Ces étapes. Où en sommes-nous maintenant À l'étape zéro Comment est-ce exactement possible Le fait est que nous sommes actuellement à l'étape de pré-lancement du financement. Notre projet n'a pas encore, on peut dire, commencé. Nous le faisons devant vos yeux comme si nous le lancions dans un spectacle fascinant et captivant. C'est pourquoi l'étape est précisément celle de pré-lancement, une phase cruciale et déterminante. Que signifie cela Cela signifie que très bientôt, nous passerons à la première étape et commencerons le financement complet de ce projet. Nous aurons 20 étapes. En fait, cette étape, quel impact a-t-elle Il influence les conditions d'investissement pour l'investisseur. C'est-à-dire, naturellement, quand nous sommes à l'étape 16, et disons que GIMP ici, par exemple, a déjà fait voler son premier dirigeable dans le ciel, n'est-ce pas Parce que le premier dirigeable est prévu pour s'élever dans le ciel dans un an, à partir du lancement du projet, c'est-à-dire que, bien sûr, à la 16e étape, les risques et l'état général du projet sont complètement différents de ce qu'ils sont maintenant. Par conséquent, les risques d'investir ici sont beaucoup, beaucoup plus bas pour les investisseurs. Par conséquent, les conditions d'investissement seront pires. Ici, l'investisseur prend beaucoup de risques. Le dirigeable n'a pas encore décollé, donc les risques sont meilleurs. C'est-à-dire que votre risque est compensé par une telle prime de risque. Comment cela s'appelle-t-il Chez nous, cette prime de risque s'appelle escompte. Et maintenant, en fait, nous avons ce que l'on appelle un escompte de 1 pour 1000. Que signifie un escompte de 1 pour 1000 Cela signifie qu'en moyenne, pour chaque dollar investi, vous recevez aujourd'hui 1000 parts. C'est la condition d'investissement de l'étape 0. Pour chaque dollar, il y a en moyenne 1000 parts. Bien sûr, cela dépend du paquet d'investissement. Quelqu'un investit 1000 dollars, quelqu'un d'autre investit cent mille dollars. Bien sûr, il y aura un prix moyen différent, mais en moyenne, c'est comme ça. Que se passera-t-il à la première étape La première étape du processus d'investissement, l'escompte moyen, qui est une réduction appliquée sur le montant initial, sera de 500 pour chaque dollar investi. Cette étape est cruciale pour établir les bases des rendements futurs. Ainsi, dès que nous commençons le financement complet, les conditions d'investissement pour les investisseurs, disons, se détériorent exactement de deux fois. Faites attention à cela, c'est-à-dire 1500. Je pense que la différence ici est certainement claire, que nous avons des conditions qui sont deux fois plus attrayantes qu'au tout premier stade. Pourquoi est-ce ainsi vraiment... Je pense qu'il est évident qu'à l'heure actuelle, oui, nous sommes encore à une étape préparatoire, il y a encore beaucoup d'incertitudes et de questions. Il y a des personnes qui sont certainement prêtes à investir. Et ces conditions compensent absolument le risque que les gens prennent en effet aujourd'hui, de manière significative, en ce moment même, sans aucun doute. Vraiment, aujourd'hui, les gens investissent dans les plus dévoués, les personnes qui croient en Solar Group, qui sont convaincus que tout ira bien, qui connaissent nos résultats dans le cadre du premier projet, et comprennent qu'ici, nous atteindrons certainement nos objectifs, mais beaucoup investiront ici, au dixième stade, quand ils auront abattu le premier dirigeable. C'est aussi génial. Et certaines personnes n'investiront que sur 16, car ici, il n'y a déjà plus de risque. Certainement, il n'y a déjà plus de risque. Donc, chacun choisit ce qu'il veut. Et notez que ces conditions, je les mentionne déjà pour ceux qui ont peut-être déjà investi. Ces paquets que vous prenez maintenant à l'étape de prélancement avec une remise moyenne de 1000, il ne sera pas possible de les augmenter à l'avenir. Rien ne pourra être fait avec eux, en effet, certainement. Mais très bientôt, dans un avenir très proche, nous allons très prochainement et certainement ouvrir l'augmentation des paquets pour ceux-ci, c'est-à-dire pour les paquets de pré-lancement qui seront disponibles. Mais cela ne pourra être fait que jusqu'à ce que le premier stade de financement soit atteint. Dès qu'il sera atteint, il ne sera plus possible d'augmenter ces paquets. Alors, réfléchissez bien si vous avez vraiment fait le montant d'investissement que vous aviez prévu. Eh bien, mes amis, c'est probablement tout en résumé. On peut également ajouter oui à propos du schéma juridique. En effet, actuellement, nous avons, de manière générale, une entreprise qui est enregistrée aux Comores. Comores. En général, une entreprise enregistrée aux Comores est souvent considérée comme étant une entreprise offshore. Oui. Et beaucoup se demandent pourquoi cela a été fait ainsi. Je parle de cette fameuse Solar Group. Parce que nous travaillons dans le monde entier, nous avons besoin d'une entreprise avec une licence qui nous permettra d'attirer légalement des investissements dans le monde entier. Et c'est une excellente option et très pratique pour respecter les exigences législatives et conforme aux normes et réglementations en vigueur dans tous les pays du monde, y compris la Russie. De plus, un tel schéma de financement nous permet de nous débarrasser légalement de certains impôts sur les investissements, ce qui est tout à fait possible. En même temps, ceux qui disent Mais qu'en est-il des offshore Eh bien, vous voyez, nous avons un offshore unique. Notre argent de l'offshore va en Russie. Je pense qu'il est également important de comprendre cela. Quoi qu'il en soit, notre entreprise opère dans le cadre du droit financier du Royaume-Uni. Elle est considérée comme la plus fiable au monde. Elle protège les Russes et, même maintenant, elle le fait. Elle protège tous nos autres investisseurs et ceux d'autres pays. Et soit dit en passant, en termes de nombre d'investisseurs, la Russie n'est pas en première position. Aujourd'hui, c'est l'Inde qui est en première position. Ensuite, il y a la Russie, le Vietnam. C'est-à-dire que nous avons la Russie à environ 30 ou environ 40%, voire moins. Je ne me souviens plus exactement. En gros, la Russie est un marché important pour nous, mais pas le seul, disons. Bien sûr, un contrat est signé avec chaque investisseur. L'investissement, donc toutes les obligations, droits et autres responsabilités additionnelles et spécifiques, tout est précisément fixé dans le contrat. Eh bien, mes amis, je... ce que je voudrais vous dire, le projet est vraiment très intéressant. Avant de commencer à nous occuper des dirigeables, croyez-moi, nous avons examiné un énorme nombre d'idées, d'entreprises. Et de tout le reste qui aurait pu nous intéresser. Et c'est précisément ce thème, lorsque nous nous y plongions de plus en plus, que nous comprenions que c'était exactement ce dont nous avions besoin. Et nous sommes convaincus que dans un très proche avenir, d'autres entreprises feront cela, comme cela se fait déjà dans le monde entier, et cette industrie va se développer. La question est de savoir si nous allons la développer ou non. Et quand nous nous sommes répondus à la question que oui, nous allons le développer, alors nous avons lancé ce projet, ceci. La question est de savoir maintenant que le monde a commencé ce qu'on peut appeler une course de dirigeables, qui en sortira vainqueur, et maintenant nous avons une excellente opportunité de faire en sorte que la Russie soit parmi les leaders mondiaux dans ce domaine. Nous avons de la chance d'avoir absolument tout pour cela. En Russie, il y a une très forte école d'ingénierie et la Russie compte le plus grand nombre d'ingénieurs au monde. La Russie a une très grande expérience en aviation, notamment si l'on parle des dirigeables, ainsi que dans le domaine de l'aviation en général, et ah, également... Oui. Et donc, nous avons certainement des bases fondamentales, essentielles, importantes et cruciales pour réussir. De plus, nous devons absolument, et nous avons l'obligation impérativement de réussir, car avant tout, c'est nécessaire pour nous-mêmes et pour notre avenir. Je pense que vous savez que la Russie qui est le plus grand pays du monde par sa superficie immense, est un pays d'une diversité géographique impressionnante. Ce pays possède de nombreuses régions difficiles d'accès, surtout en hiver, en raison de son climat rigoureux. Il est important de noter qu'il a déjà été dit à maintes reprises, et cela a été souligné à plusieurs occasions, que, dans un pays vaste et diversifié comme la Russie, un système de transport qui soit à la fois bon marché et facilement accessible est essentiel si nous parlons des routes des chemins de fer et, bien sûr, des vols aériens. Dans l'Union soviétique, la petite aviation était très bien développée. Maintenant, on nous écrit constamment que dans notre ville, il y a un petit aéroport, un aérodrome qui est abandonné, inutilisé par personne, ou alors une fois par an, un avion de tourisme y atterrit et c'est tout. Et ils disent, apportons des dirigeables chez nous. Donc, en ayant une telle entreprise ici en Russie, en ayant de tels aéronefs, nous pouvons vraiment aider le pays, non seulement gagner de l'argent pour nous-mêmes, mais aussi résoudre l'un de ces problèmes globaux que nous reconnaissons, non seulement vous et moi, mais aussi les gens, y compris au gouvernement, puisque l'on a déjà commencé à parler au niveau gouvernemental de la thématique des dirigeables. Alors, amis, nous vous proposons de le faire ensemble avec nous. Nous sommes convaincus que nous y parviendrons. Et ici, puisque vous regardez cette diffusion, cela vous intéresse aussi. Eh bien alors, comme c'est souvent le cas, la question ne porte que sur un seul point. Allez-vous rejoindre le projet maintenant en voyant ce qu'il y a et en faisant confiance, disons, à l'information que vous avez aujourd'hui Ou allez-vous attendre encore Mais je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, vous deviendrez soit investisseur du projet, soit vous entendrez parler de nous. Vous entendrez certainement parler de nous dans les médias. Personnellement, je parie que dès que cet événement se produira, dès que le premier dirigeable s'envolera dans le ciel, ce sera un effet de bombe. Je suis convaincu que cet événement marquera un tournant décisif dans l'histoire de l'aviation moderne. Les médias du monde entier en parleront sans cesse et tout le monde, sans exception, en discutera avec enthousiasme. Et je pense que vous aurez certainement de quoi être fier si vous soutenez ce projet. Alors, chers amis, rejoignez-nous, posez vos questions. Vous pouvez également écrire vos questions dans le chat sur Vcontact sur YouTube et sur YouTube. Je vais regarder partout. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette diffusion et de la partager. Et je ne cesserai jamais de m'étonner, oui, vraiment pourquoi il est absolument nécessaire d'en parler constamment, de rappeler encore et encore car nous sommes tous très intéressés à ce que le projet se développe activement et efficacement. Alors, eh bien, passons maintenant aux quelques questions que vous pourriez avoir en tête, car nous sommes ici pour vous aider. Regardez, aujourd'hui, j'ai animé cette diffusion seule, bien qu'auparavant, nous l'ayons généralement faite avec Fyodor Konstantinov, mais Fiodor est maintenant ici au bureau, donc si je trouve des questions techniques, je pourrais appeler Fyodor, et il répondra à vos questions. Vous pouvez donc écrire vos questions techniques, nous y reviendrons ensuite. Artem écrit, encore sans Fiodor, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Artem, merci beaucoup. Oui, Fiodor est déjà rétabli, mais aujourd'hui, il n'a tout simplement pas pu être présent au début, donc nous avons convenu de procéder sans lui. Eh bien, comme je l'ai dit, si vous avez des questions techniques à poser à Fiodor concernant les dirigeables, n'hésitez pas. Nous inviterons Fiodor à y répondre si nécessaire. Quelles sont les garanties de remboursement Tu comprends même pas que des durs peuvent te mettre en difficulté si tu fais une erreur Victor, eh bien, regardez, il y a aussi ici suffisamment de durs. Commençons par cela. Si l'on parle des garanties de remboursement, il n'y a aucune garantie, je vous le dis honnêtement, tout comme il n'y a absolument aucune garantie que vous achèterez demain des actions de la société Apple et que vous récupérerez votre argent. Avez-vous des garanties lorsque vous achetez des actions Quelles sont vos garanties Voici des gens qui ont acheté des actions américaines. Ils ont acheté, oui, les garanties étaient au-dessus de tout. Et après, et après, tout d'un coup... Toutes les actions ont été gelées. Alors, écrivez, y a-t-il des gens ici qui ont investi dans des actions étrangères avec d'énormes garanties de la part des courtiers, de l'État ou de qui que ce soit d'autre, n'est-ce pas Des garanties avaient été données par les dépositaires de tous les pays du monde, puis ils ont bloqué les actions américaines. Comment cela se fait-il, n'est-ce pas En tout cas, ils ont bloqué des dizaines de milliards de dollars. Voilà pourquoi, mes amis, quand vous parlez de garantie, réfléchissez à qui vous les donne et pourquoi il vous les offre. Nous ne pouvons parler que de certaines probabilités en tenant compte de divers facteurs ainsi que d'autres éléments et considérations. Le ferons-nous si nous avons un financement suffisant Bien sûr, nous le ferons. Personnellement, je n'ai aucun doute que le dirigeable décollera que nous avons suffisamment de compétences pour faire voler ces aéronefs. Ici, en principe, tout ira bien. La question est de savoir où nous pouvons échouer. En réalité, là où nous pouvons éviter les pièges sous-marins, si nous en avions connaissance, nous ne trébucherions certainement pas dessus. C'est pourquoi nous ne connaissons pas les véritables pièges sous-marins. Peuvent-ils exister Ils peuvent. Ce sont les risques. C'est pourquoi il ne peut y avoir de garantie. Quelle garantie y a-t-il que quelqu'un va maintenant marcher, ne glissera pas sur les escaliers et ne tombera pas Aucune garantie. Donc, en ce qui concerne toutes les options qui peuvent se présenter, que nous prenons en compte d'une manière ou d'une autre, tout cela est calculé, il est clair comment travailler avec cela, et nous allons travailler avec cela. Eh bien, que faire Il y a un plan B, un plan C et un plan V. En ce qui concerne ce qui est promis ou non aux investisseurs, il n'y a nulle part de promesse de bénéfice, rien n'est garanti comme vous l'avez écrit. Nous avons un contrat qui réglemente clairement les relations entre les investisseurs de l'entreprise et qui prend quelle responsabilité, je ne peux que dire en réalité pendant, disons, quelle garantie je peux vous donner, disons, je peux vous garantir que l'argent qui sera certainement investi dans le projet sera réellement utilisé pour la création de dirigeables. Je peux vraiment vous garantir cela. Tout le reste, comme on dit, est entre les mains de Dieu. Donc, si vous avez certainement besoin de garanties, je peux vous recommander ceci. Ici, venez. Oui, les conditions d'investissement ne seront pas pires qu'actuellement. Mais cela vous donnera tout de même une certaine garantie, absolument, certainement et sans aucun doute. À quel stade pourra-t-on vendre des actions des dirigeables Écoutez, Sergei, cela pourra se faire seulement après que toutes les étapes aient été franchies, que le financement soit terminé et que la société devienne une société par actions, comme je l'ai expliqué aujourd'hui. Vous recevrez des actions et après cela, vous pourrez déjà vendre ces actions. Je propose de nommer les dirigeables par le mot russe airship. D'ailleurs, lors du dernier webinaire, ou peut-être que ce n'était pas le dernier, il y a une semaine, Fyodor a dit, proposer un nom russe. Proposer, pourquoi pas. Alors, y aura-t-il une bourse interne dans le projet Écoutez, dans le cadre de ce projet, nous n'avons pas encore parlé de la bourse interne. Mais je pense que c'est un bon mécanisme. Il est possible que nous la lancions. Nous allons encore voir comment cela fonctionnera dans le projet des moteurs d'Uyunov. You know. Je pense qu'en principe, tout devrait bien se passer. Eh bien, bien sûr, un si bon outil avec un bon arrière-plan, pourquoi ne pas l'implémenter ici aussi Donc, je pense que nous le ferons. forme organisationnelle et juridique du projet des dirigeables. Quelle est la forme organisationnelle du projet des dirigeables en ce moment Eh bien, regardez donc, la forme organisationnelle est actuellement en principe similaire à celle que nous avons dans le projet des moteurs Douynov. You know. Laissez-moi le redire encore une fois. Regardons encore une fois et encore à nouveau, une fois de plus la diapositive que nous avons déjà examinée, c'est-à-dire nous avons un investisseur qui est très important pour notre projet. Oui, dessinons l'investisseur en détail pour mieux comprendre son rôle et son impact. Il y a la société Solar Group, une entreprise innovante et dynamique qui joue un rôle crucial dans notre développement. Entre Solar Group et l'investisseur, c'est-à-dire que l'investisseur envoie de l'argent à Solar Group qui est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, l'investisseur acquiert des parts de cette société. Donc une personne détient une part, ce qui lui permet de bénéficier des avantages financiers et des droits de vote associés à ses parts. Et Solar Group, une entreprise dans le secteur des énergies renouvelables, détient 49% des sociétés NOVA, ce qui leur permet d'influencer les décisions importantes. La société Nova, c'est cette société Nova, c'est une société russe. Actuellement, c'est une SARL. Et environ 49%, soit à peu près, est détenu par la société Solar Group. Solar Group est une entreprise offshore enregistrée au Comore. J'en ai déjà parlé aujourd'hui. Tous les documents concernant cette société, y compris la licence, l'autorisation d'exercice, sont disponibles en accès libre, existent. Bien sûr, naturellement, un contrat est également conclu entre l'investisseur et la société. De quoi parle ce contrat qui est conclu le contrat stipule à propos de que l'investisseur conclut également un accord avec la société Solar Group en acquérant ses parts, mais Solar Group est obligé de transférer les actions de la société créée. Par conséquent, elle doit ainsi le faire. C'est donc un contrat de ce qu'on appelle un prêt convertible Eh bien, en conséquence, après que la nouvelle société se transforme en société par action, cela pourra certainement être fait. Cela sera en fait réalisé après environ la 20e étape. Voilà à peu près comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous détenez une part dans Solar Group et Solar Group détient une part dans la société Nova. Où va précisément l'argent de Solar Group? Regardez, je vous ai dessiné ce schéma. Ce que vous dites, c'est que vous avez en fait, en réalité, en effet, effectué trois paiements. En fait, puisque Solar Group est une entreprise étrangère, elle est connectée à... Plus précisément, ce n'est pas nécessairement une entreprise étrangère. En principe, n'importe quelle entreprise peut fonctionner de cette manière. Il y a une chose comme un agent de paiement, n'est-ce pas Un agent de paiement, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'acquisition. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui accepte de l'argent, comme Asberbank. Vous avez un petit compte Asberbank, n'est-ce pas en conséquence, l'argent est ensuite directement transféré de manière sécurisée de ce compte dans le cadre du projet. Donc, l'agent de paiement, l'acquisition, le système de paiement, peu importe comment vous l'appelez, est simplement un intermédiaire financier par lequel passent les fonds. En gros, je vous ai décrit le chemin. Victor s'est trompé, il a dit qu'ils ne le diront pas, qu'ils ne le savent pas. Pour une raison quelconque, Victor pense que nous cachons quelque chose, alors que je viens de tout décrire, j'ai parlé de l'agent de paiement, mais si vous voulez, je peux en parler plus en détail, mais en principe, nous n'avons jamais abordé cela lors d'un webinaire. Donc, une action, c'est 100 parts, n'est-ce pas Eh bien, ça donne à peu près ça, oui, si c'est environ 50, ça fait probablement 10 parts. Seulement pas 100, mais 10, Sergei. Bien sûr, le dirigeable décollera. S'ils ont été construits auparavant, ils le feront maintenant. Oui, en ce qui concerne les dirigeables, il est très étrange que certaines personnes aient des doutes sur le projet, pensant que le dirigeable ne décollera pas. Pour une raison quelconque, cela a décollé il y a 100 ans, mais maintenant, cela ne décolle pas. Clairement, pas seulement il y a 100 ans que les dirigeables ont décollé, oui, et dans les années 90, début 2000, il y avait en Russie des entreprises commercialement réussies dans le domaine des dirigeables, mais simplement en tant que fait, oui, c'est-à-dire que les technologies, disons, permettent de construire de tels aéronefs. Et ces investissements sont-ils soumis à des impôts Natalia, pourriez-vous préciser ce que vous voulez dire L'entreprise Nova a-t-elle son propre business Vitali, que signifie l'entreprise Nova a son propre business La société Nova est en effet la société qui construira des dirigeables. C'est son activité, si vous voulez savoir. J'ai donc regardé des questions sur YouTube, je suis maintenant sur Vcontact et je passe maintenant à YouTube. Qu'en est-il de la commission gouvernementale eh bien, je comprends que cela concerne le projet Suvelmash, tout est en cours, nous attendons des nouvelles avec autant d'enthousiasme que vous. Avez-vous un programme minimum Que se passe-t-il si vous collectez 50 millions en 5 ans Vous ne procéderez plus à l'actionnariat, les investisseurs qui prennent des risques ne seront pas actionnaires car le projet est de nature venture. Eh bien, regardez donc le programme minimum. Pouvons-nous faire l'acquisition d'actions plus tôt Eh bien, en général, techniquement, c'est possible. Je comprends que la question porte en général sur ce que nous allons faire si vous investissez maintenant, mais que le financement prend plus ah. de temps que prévu. Par exemple, 7 ans, n'est-ce pas Comment les investisseurs pourront-ils obtenir des actions dans ce cas nous allons en parler honnêtement. Oui, dans un tel projet d'investissement, il peut se passer n'importe quoi. Voici nous avec vous, voici vous, nous sommes partenaires, voici nous, ces personnes qui réalisent ce projet de leurs propres mains. C'est pourquoi nous, vous comprenez, en fait, faisons tout, vous savez, pour que tout soit absolument comme il se doit, essentiellement. Mais quelque part, quelque chose peut ne pas se passer aussi naturellement, oui, comme tout ce qui peut arriver dans cette vie. Si nous supposons que le financement prend du retard, nous pourrions théoriquement permettre aux personnes qui ont déjà investi de participer, de procéder à l'émission d'actions et de leur remettre des actions. Cela est réalisable. C'est-à-dire que dans ce cas particulier, nous aurons, par exemple, un pourcentage de 25% que nous transmettrons aux investisseurs dans un délai de 5 ans. Cela signifie que nous allons, par exemple, allouer 25% aux investisseurs dans 5 ans. Environ 24% des parts de l'entreprise resteront avec Solar Group, ce qui signifie que cette entité continuera à bénéficier d'une part significative du capital. De plus, Solar Group continuera à attirer des financements pour soutenir ses projets et ses investisseurs qui, par exemple, investissent maintenant au pré-lancement recevront-ils déjà leurs actions et continueront-ils avec plaisir à soutenir le projet? Est-il possible de faire cela certainement déjà? Oui, certainement, il n'y a absolument aucun problème. En ce qui concerne les scénarios et les options possibles, tout est fait pour obtenir des bénéfices le plus tôt possible. Absolument chaque personne, n'importe qui, qui qui fait des affaires et surtout dans un tel projet est intéressé à réaliser un profit. Il y a deux semaines, par exemple, il y a eu le Conseil scientifique et technique, et ils ont élaboré le concept du premier appareil volant. Tout le monde a parlé du fait qu'il devait avoir un potentiel commercial. Ce n'est pas simplement un appareil volant destiné uniquement à perfectionner les technologies, bien que nécessaire. Il doit avoir un potentiel commercial. Parce que tout le monde comprend qu'il faut gagner de l'argent immédiatement. Il y a un objectif et un désir de commencer à gagner de l'argent immédiatement. Donc, si cela fonctionne, je suis sûr que cela fonctionnera. Pour gagner un certain montant d'argent, bien sûr, avant que le projet ne soit terminé à 100%. Nous avons construit un hangar, pouvons-nous en tirer des revenus Oui, pendant que le deuxième hangar est en construction, nous pouvons vendre les premiers appareils volants. Je suis sûr que cela se passera ainsi, certainement. Les dividendes pourront déjà être distribués, certainement. C'est-à-dire que même si Solar Group possède ici 49%, la nouvelle entité transférera des dividendes à Solar Group qui les répartira ensuite entre les investisseurs. Voilà pourquoi cela pourra également être fait. Nous en avons parlé lors des webinaires, que les dividendes pourraient être versés avant la fin du financement. Cela soulève une autre question. Est-ce raisonnable Et c'est alors que les gens se sont divisés en deux camps. Certains disaient qu'il fallait des dividendes plus rapidement, tandis que d'autres disaient non, non. Si l'argent arrive, il vaut mieux le réinvestir dans les projets. Que faire dans ce cas Comme dit, nous allons résoudre les problèmes. Difficile de qualifier les dividendes de problèmes. Mais néanmoins, au fur et qu'ils se présentent, il existe de nombreuses options possibles. Nous sommes très flexibles, nous tenons à préserver notre réputation et à faire tout ce qu'il faut pour que les gens, disons, apprécient de collaborer avec nous. Donc si les gens disent, eh bien, vous avez réalisé votre premier bénéfice, alors payons des dividendes, nous paierons. La société Nova va-t-elle rester ou simplement changer de nom Dimitri n'a pas tout à fait compris. Mais où devrait-elle changer de nom La société Nova, c'est cette société, pour que vous compreniez, c'est la société Sobolmash. Oui, dans le premier projet. Elle va où ce jour-là Pourquoi devrait-elle être renommée Douaneau a eu plusieurs étapes. En cas de sous-financement du développement du projet, les investisseurs prenaient des risques comprenant qu'il y aurait un minimum de retour. Eh bien, regardez, j'ai compris ce que... Étape minimum, étape maximum. C'est-à-dire que le plan minimum consiste à louer un bureau et à rassembler complètement l'équipe. Acheter l'équipement. Voici le plan minimum. Parce que vous comprenez, le travail commence déjà à s'intensifier. Il est possible d'exécuter des commandes externes. Le travail porte sur les dirigeables et divers appareils volants stratosphériques. Il semble que le premier appareil sera bientôt lancé. Donc oui, il y a beaucoup d'étapes. Est-il possible de se concentrer uniquement sur un seul mailing, sur un seul appareil volant Oui, pourquoi pas. Si cet appareil volant peut générer de l'argent, pourquoi pas Donc si nous parlons de certains points de référence en dessous desquels nous ne pouvons pas tomber, il est évident que ces étapes existent, mais nous n'en avons pas vraiment parlé publiquement. Mais pouvons-nous le formaliser d'une manière à ce que ce soit précisément clair pour tout le monde, en détail Y aura-t-il une bourse interne J'en ai déjà parlé. Je pense que oui. Voyons comment cet outil va fonctionner. Le premier aéronef s'appellera Spherius ou Spherus. Lors de la toute dernière diffusion, à l'occasion de laquelle nous étions avec Boris Alexandrovitch Ivchenko, nous avons discuté en profondeur et en détail ainsi que du nom potentiel de cet appareil et il était question de l'appeler Nova 2. Pourquoi Nova 2 Eh bien, c'est ainsi que l'on appelle traditionnellement. L'entreprise s'appelle Nova et le 2 fait référence à l'année 2000. Il a un volume en mètres cubes, donc pour l'instant c'est un nom préliminaire. Petit aéromètre, grand stratomètre. C'est tout à fait possible. Question à Pavel. Comment ça va Ça va très bien. Je fais un webinaire. Ce n'est pas ennuyeux. C'est même très amusant. Comment ça se passe avec la Commission d'État Avançons-nous vers notre objectif J'ai déjà dit que tout est en cours, en fait. Sergueï vous répond également. Lisons sa réponse. Le 11, la commission a terminé son travail. Le 15, nous avons reçu les protocoles avec des remarques et nous travaillons actuellement sur les corrections. Dmitri Alexandrovitch ne donne pas de détails, il ne veut pas porter malheur. Sergei a répondu en détail. Je vous ai dit que tout, comme on dit, est en cours, mais je n'ai pas non plus menti. Il n'y a pas de question, tout est clair et correct, et nous réussirons ensemble. Michael, un grand merci pour ton soutien, je suis sûr que tout se passera comme ça. Je regarde encore sur V Contact. Selon votre schéma, il n'est pas tout à fait clair quand se terminera la collecte de fonds, le nombre de parts augmentera de deux fois, car il faudra augmenter les parts pour la nouvelle entreprise, par conséquent, la valeur de la part diminuera. Non, ce n'est pas tout à fait ça, mais regardez encore une fois. Solar Group émet ses parts, c'est-à-dire que ses parts, elles ne sont pas directement, disons, liées à cette moitié, oui, à propos de ce que vous dites, qu'elle sera diluée. Parce qu'il est prévu au total 1 milliard d'actions. Il y aura au total 1 milliard d'actions. La capitalisation est de 1 milliard de dollars. Donc voilà, n'est-ce pas 1 milliard de dollars et des morceaux. Enfin, je pense que vous avez compris. En conséquence, sur ces 49 et eh bien de manière conditionnelle, combien est alloué 490 millions d'actions. Ces 490 millions d'actions seront échangées contre 50 milliards de parts. Eh bien, à peu près comme ça. Mais je vous le dis tout de suite, ces chiffres sont pour l'instant préliminaires. Ces chiffres peuvent changer. Surtout en ce qui concerne les mathématiques des parts, des actions et tout le reste. Parce qu'en ce moment, nous essayons de comprendre si nos indicateurs commerciaux vont vraiment correspondre ici. C'est pourquoi nous disons que c'est une étape préliminaire. Beaucoup de choses n'ont pas encore de dogme ici. Il faut alors établir une liste et organiser un vote. Ceux qui sont prêts à réinvestir leurs finances sans recevoir d'investissement doivent diriger leurs fonds vers leur destination. Qui ne veut pas, recevra par exemple sous forme d'investissement ou bien sous forme de dividendes. Oui, nous avons déjà pensé au vote pour savoir s'il faut réinvestir les premiers bénéfices potentiels ou distribuer l'argent sous forme de dividendes aux investisseurs. Les diviser. Celui qui veut des dividendes obtient des dividendes. Et celui qui souhaite réinvestir ses dividendes augmente en fait son investissement grâce aux dividendes. Mmh. Vous ne recevez simplement pas les dividendes en espèces, nous les prenons et les réinvestissons immédiatement dans le projet. En fait, je suis absolument convaincu que les bénéfices, qui sont essentiels pour le succès global de notre projet, seront présents bien avant que nous atteignions la phase finale de ce projet. Parce que, comme nous l'avons discuté aujourd'hui, il est possible de gagner de l'argent dès le premier élargissement et de gagner de l'argent sur des projets connexes avec des clients potentiels. La question est simplement celle du volume de ces bénéfices. Pourra-t-on gagner immédiatement de grosses sommes d'argent C'est comme une question en fait ah. en n'ayant pas terminé tout le projet, je veux dire... Mais recevoir de l'argent, c'est comme le lancement d'un dirigeable. Le dirigeable va certainement très bientôt décoller dans quelques instants. La question n'est pas de savoir s'il faut vraiment construire le dirigeable. Nous avons pour tâche de lancer toute une industrie de manière très efficace, innovante et durable. Elle comprend un très grand nombre d'éléments avec le lancement. Lorsque nous avons rencontré ce projet au départ, je ne savais naturellement rien sur les dirigeables. En fait, je ne peux toujours pas me considérer comme un expert. Peut-être que j'entends et vois simplement plus que les autres. C'est pourquoi je peux commenter certaines questions mais je ne suis naturellement pas devenu dirigeable à cause de cela. En réfléchissant à tout cela, je réalise que cependant, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que mon cercle de compréhension est beaucoup plus large. Au tout début de cette aventure, à ce moment-là, je pensais de même, quelle tâche ardue, difficile et délicate de faire en sorte que le dirigeable se lève majestueusement. Tous les dirigeables que j'ai rencontrés m'ont à peu près dit la même chose, que la tâche la plus simple en général, dans le cadre de ce projet, est de faire décoller le dirigeable. C'est certainement vraiment la plus simple. Là, il s'agit de vendre conditionnellement un dirigeable, de mettre en place une production en série de dirigeables, de construire l'infrastructure, de négocier avec ceci, avec cela. Difficile. Se rassembler tous ensemble, même dans un seul bureau, est difficile. Nous en avons également déjà parlé qu'il y a beaucoup d'ingénieurs talentueux dans notre pays, en particulier des dirigeables talentueux. Et comme si, en effet, Malgré le fait que ces pilotes de dirigeables aient déjà travaillé dans les mêmes équipes, se soumettant les uns aux autres et ayant appris à travailler ensemble, le temps passe. En réalité, chacun s'occupe de ses propres affaires, tout d'abord. Deuxièmement, ils ont tous certainement leurs propres idées. Quel coque faire Avec quels matériaux Avec cela Et où la faire La fabriquer soi-même L'acheter en Chine Peut-être l'acheter à Taïwan et quelles formes Des formes ordinaires, et parfois également en forme de cigare, aplati, occasionnellement, sous la forme d'une assiette, comme quelqu'un l'a récemment proposé par quelqu'un, mais il semble que ces options aient déjà été écartées, cependant, bien que, qui sait, je ne suis pas dirigeable. Et chacun a ses propres solutions. Et la chose la plus difficile dans ce projet, du moins pour l'instant, est de rassembler tout le monde, d'attirer les meilleurs esprits et les meilleures équipes à ce projet et de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, et pour qu'ils puissent aller ensemble dans la même direction, et non pas chacun de leur côté. C'est donc ce que l'équipe nouvelle a fait pendant ces deux premiers mois, et c'est ainsi qu'elle s'est soudée, elle a appris à s'écouter et à travailler ensemble. Alors, je vais maintenant vérifier V Contact et YouTube, j'y ai déjà répondu avec quelques détails supplémentaires, et voilà, c'est tout. Chers amis, pendant que j'ouvre YouTube, je vous encourage à écrire des commentaires pertinents et constructifs, mettre des likes ainsi que faire des partages. En gros, engagez activement avec notre contenu pour que nos émissions soient non seulement vues, mais aussi appréciées par le plus grand nombre possible de personnes. C'est intéressant de savoir qui regarde sur YouTube, alors laissez un commentaire ou mettez un like pour comprendre s'il y a une certaine activité ici car le nombre de spectateurs n'est pas affiché. Je ne comprends vraiment pas, vraiment quelqu'un regarde, ici personne ne regarde, mais il y a vraiment une question ici, vraiment... Ainsi, nous allons fabriquer des aérostats, des stratostats, des lanceurs, et également des dirigeables, uniquement des dirigeables. Regardez, la société Nova prévoit de s'occuper non seulement des dirigeables, c'est vrai, c'est la direction principale, mais en fait, la société s'intéresse beaucoup à la stratosphère en tant que telle, et donc, en parallèle, en utilisant déjà les compétences et les développements de l'équipe existante, elle développe ses propres appareils stratosphériques. Qu'est-ce que c'est au juste À quoi cela sert-il C'est une sorte de petit ballon spécial qui peut rester dans le ciel pendant une très longue période comme un observateur silencieux et vigilant, capable de surveiller les conditions météorologiques et de collecter des données précieuses. Si je comprends bien, il peut peut-être y rester un an ou deux. Pourquoi peut-il y rester Comme vous le comprenez, si l'on suspend toute une constellation, cela devient une sorte d'analogue des satellites. Comment utilise-t-on les satellites, par exemple Pourquoi volent-ils je pense que vous comprenez parfaitement. Encore une fois, il s'agit de l'usage militaire et de l'usage de renseignements, ainsi que de la communication et du bulletin météorologique, tout ce que vous voulez. Et par exemple pour la Russie, c'est aussi extrêmement pertinent. Il y a en Russie plusieurs entreprises qui s'occupent de cela en ce moment. Parce que, encore une fois, vous comprenez, la Russie semble avoir été créée pour de tels projets, disons cela, car il y a de très grandes distances, de vastes espaces des régions difficiles d'accès, des régions avec une connexion instable ou même sans connexion. Ici, ah. nous pouvons créer un analogue, disons des satellites, qui sont beaucoup moins chers, mais qui remplissent en essence toutes les mêmes tâches. Et maintenant, dans ce domaine, les premières recherches expérimentales sont en cours. Voyons ce que cela donnera. Et en réalité, c'est peut-être là que la société pourra commencer à gagner de l'argent. Dans les prochaines semaines, le premier appareil de la société Nova, un appareil stratosphérique, devrait être lancé. Oui, ce sera un lancement d'essai et nous essaierons de le couvrir. Je n'ai pas vraiment envie de donner des dates précises ici, car en réalité nous avions prévu de lancer dès samedi dernier, mais finalement nous avons décidé de ne pas lancer et de nous préparer. En effet, de plus, il faut aussi une bonne météo afin de pouvoir voir ce magnifique et merveilleux appareil, n'est-ce pas de plus, il y a l'idée que cet appareil fera une diffusion en direct, ce qui est fascinant et innovant depuis la stratosphère via Internet. Oui, c'est une idée que nous avons. Quelqu'un va maintenant se demander comment vous avez fait pour que la diffusion se fasse depuis là, n'est-ce pas Eh bien, nous avons réussi à le faire. Nous avons assemblé ce système nous-mêmes. En gros, nous avons réussi à le faire. Nous avons des spécialistes comme ça. Et il y a cette idée de lancer le premier appareil stratosphérique et de faire une émission directement depuis là-bas. Comme vous le comprenez, c'est vraiment potentiellement très cool, comme on dit maintenant, un buzz. Jusqu'à présent, personne n'a fait cela parce que d'autres entreprises n'ont pas de solution technique similaire. Une solution technique très complexe. Et nous allons essayer de le faire. Donc nous attendons une bonne météo, nous attendons une opportunité pour le lancement. J'espère que nous réussirons à le faire avant la conférence. Eh bien, pour conclure notre diffusion, il semble que j'ai répondu aux questions. Puisque j'ai déjà mentionné la conférence, je voudrais vous y inviter. Je vous rappelle que le 16 novembre, à Moscou, nous aurons une grande conférence internationale de la société Solar Group. Lors de cette conférence, nous parlerons de l'avancement des projets et des initiatives que nous promouvons aujourd'hui. En cours de développement, nous parlerons bien sûr de la plateforme d'investissement elle-même, Solar Group, de la manière dont nous travaillons actuellement, des changements que nous apportons et des questions que nous résolvons liées au lancement du deuxième projet d'investissement dans le cadre de notre plateforme d'investissement. Ah. Je vous recommande absolument de venir à cette conférence, surtout si vous vous intéressez vraiment au projet Sobolmash et également au projet de génération de dirigeables, car nous y parlerons des deux et ce sera très intéressant. En fait. Nous avons une phase de groupe solo très intéressante. On peut dire qu'il n'y a absolument pas de temps pour s'ennuyer, car notre premier projet Sobolmash approche progressivement de sa conclusion. Nous passons actuellement la commission d'État afin que l'entreprise puisse déjà avoir la possibilité de lancer, et nous passons à la dernière, à la phase finale de financement. Les projets de dirigeables de nouvelle génération commencent tout juste chez nous. Il commence sous vos yeux et c'est à peu près comme ça, à peu près à ces mêmes dates, je pense d'ici la fin de l'année, que nous changerons d'étape dans le projet de dirigeables de nouvelle génération. Ce projet ambitieux et innovant, qui est en cours de développement depuis plusieurs années, vise à améliorer l'efficacité et la durabilité des dirigeables. Mais là, nous passerons déjà à la première étape. Cela signifie que dans le premier projet, nous sommes à la dernière étape et dans le deuxième projet, nous sommes à la première étape. C'est un tel symbolisme, c'est une telle période de transition pour nous. Et c'est formidable de pouvoir dire que l'entreprise Solar Group se développe. Et nous parlerons de tout cela le 16 novembre lors de la conférence à Moscou. L'unique, mes amis, la salle est limitée en nombre de personnes. Je vous le dis en secret, nous avons déjà plus de 400 inscriptions. Donc je pense que nous devrons bientôt fermer les inscriptions. Mais nous allons encore appeler tous ceux qui se sont inscrits et comprendre qui vient ou non et savoir combien de places il nous reste. De plus, une délégation étrangère va bientôt arriver et des employés de Solar Group viendront également. En gros, nous réalisons maintenant que la salle de 500 personnes est trop petite pour nous. Oui, elle se remplit littéralement en quelques semaines. Mais c'est super, super. Un grand merci à vous pour votre soutien. Solar Group, c'est vraiment vous. Oui, ces personnes qui soutiennent vraiment ces projets. C'est génial que tout cela fonctionne entre nous. Je suis sûr que nous réaliserons encore de nombreux projets ensemble. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. N'oubliez pas de mettre un like. Veuillez envoyer ce lien à vos amis, collègues et partenaires, qu'ils regardent les enregistrements là où cela leur convient. Eh bien, on se voit jeudi. Et jeudi, nous aurons des nouvelles du projet de dirigeable de nouvelle génération. Et nous aurons un invité jeudi, l'un des concepteurs de dirigeable, avec qui nous parlerons de divers sujets techniques intéressants. Venez poser vos questions. Nous vous verrons à 17h jeudi. Merci à tous et à bientôt.